Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va, on est avec. Lia. Quelle origine? Cap-Vergine portugaise. Allez, fais un petit coucou là-bas. Yes! Quel est pour toi l'homme parfait à tes yeux? Point d'interrogation. Tant qu'il me donne de l'amour, il sait faire à manger, tout va bien, hein, franchement. Ah ouais? J'ai pas vraiment de critères de ouf. C'est quoi tes critères? Franchement, une personne qui m'aime bien, qui me traite bien et qui respecte. T'aimes les femmes ou les hommes? Les deux. Ah bon? C'est ça, je savais. Les deux. Quand je t'ai rêvé comme ça, là. Hein? Ah, d'accord, je savais. T'aimes les deux? Oui. Je savais, je t'avais vu quelque part, là. Je me dis, non, cette fille, elle est pas normale. T'aimes les deux, pourquoi? Comment ça, c'était bigou? Bah, écoute, les hommes, c'est bien, mais les femmes aussi, c'est bien. T'as goûté les deux? Ouais. La première fois, c'était avec un garçon, mais une fille? Un garçon. Pourquoi t'es parti voir de l'autre côté? Eh, parce que, voilà, j'ai vu que c'était intéressant, voilà. C'était intéressant qui? Est-ce que là-bas, c'était... T'étais hétéro ou bien c'est parce qu'une femme elle était lesbienne et c'est elle qui t'a mis dedans? Non, même pas, de base j'étais hétéro, mais genre un jour il y a eu une meuf, elle m'a dit ouais t'es belle et tout, bellec. J'ai fait oh. Et toi t'es rentré dedans? Ouais. Est-ce que t'étais normal ou bien parce que t'avais perdu les sentiments à cause de quelqu'un? Non, même pas, j'étais normal. Hein. Donc à ta draguée t'étais hétéro, elle est venue à ta draguée? Ouais. Ça m'a dragué et tout, je suis tombée dedans. Ça ah ouais. Et tu es rentré dedans? Je suis rentré dedans. Sûrement. J'ai pas résisté. Oh mais putain! T'as pas résisté? Mais comment? Elle était jolie? Oui. Elle était quelle origine? La meuf, elle était brésilienne. Samba. Oh mm. Donc t'as vu, elle t'a dragué, bisous. Mm. Mawa. C'était pas si facile, t'as vu, mais... C'était pas facile. Au bout de combien de temps t'as résisté? Franchement, 2-3 mois, mais ça a pas duré longtemps, justement pas. Ah ouais? Ouais. Elle est partie voir ailleurs, elle m'a trompé. Oh oui. T'as compris, elle est partie voir avec un mec ou une femme? Une meuf. Et la meuf en question est tombée amoureuse de moi après. Maman Nangaï. Mais c'est quel genre de bail ça? Ah moi je te le dis. Ah c'est compliqué. Mesdames et messieurs, c'est compliqué. Mais c'est quel genre de polyamour? Ça c'est du polyamour. Perso, j'ai pas tapé dedans, t'as vu? Ah ouais. Respect. Ah respect. Ouais. T'as fait quoi? Bisous, les chaises de pied? Elle a fait des bisous ici en bas? Non. Ah, juste des bisous? Non, c'était juste des bisous comme ça. Tu vois, j'étais jeune. Elle a essayé de... Non. Mais est-ce que là, maintenant, tu as fait les judos de karaté, des kung-fu? J'aurais ton cœur en présence de mon avocat. Ah, kick the ball, bro. Kick the ball. Oh. Waouh. Jadis, tu l'as pas fait, mais maintenant, tu l'as fait. Est-ce que tes parents savent que tu es bigou? Oui. Tu l'as dit, tu l'as avoué ou bien elle l'a trouvé par rapport à, au flingant d'élite? J'ai avoué. Hein. T'as avoué à qui? À tes parents? À ta mère? À ma maman en premier et après mon père. Ton père, il a dit quoi? Ta mère, elle a dit quoi? Ma mère, elle a dit, bah, elle en a rien à foutre en vrai. Genre, tant que je suis heureuse, tout va bien. Et mon père, il a dit, ouais, faut me donner un peu de temps. Il m'a pas parlé pendant un mois. On s'en bat les couilles! Ah ouais? Ouais. Est-ce que dans la famille, il y a des bigous? Oui. Ah ouais? Qui est comme ça chez toi? Mon cousin. Ton cousin est bigou? Ouais. Maman, là, il est... J'ai une cousine à moi aussi. Ta cousine, ouais. Est-ce qu'ils t'ont parlé de ça? Ouais. T'as fait quoi? Bah écoute, moi j'ai juste accepté, j'ai rien à dire, c'est leur vie. Donc, qu'est-ce que je comprends bien, à la base c'était hétéro, maintenant t'es devenu bigou. Mesdames et messieurs, je dis encore une fois, regardez-moi bien ce que je veux vous dire. Les gens font ce qu'ils veulent, mais... Oui. Je dis ça à tous les hommes, les gars qui sont en train de tromper leur femme, ou un truc comme ça. Si ensuite elles sont malheureuses, et elles tombent sur une femme qui est... Lélé, on va dire pour ça. Pleurez, parce que ça va être chaud. Parce que vous pouvez perdre votre femme. Parce que c'est non seulement vous devez faire attention aux hommes, aux charognards, mais maintenant aussi vous devez faire attention aux femmes de l'autre côté. Vous avez compris? Donc voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. C'est leur vie, mais donc maintenant, faites attention. C'est pour ça que j'ai dit à tout le monde, aux gars, prenez soin de leur femme. Donc quand vous avez fait une bêtise avec votre femme, récupérez-la au bout de 2 jours. Mais ce n'est pas une semaine. Merci, c'était qualité dit. Merci, c'était qualité dit. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez et surtout, mettez des commentaires pour dire par rapport à la vidéo. Merci, c'était qualité dit.